Bah Sly, qu'est-ce qui s'est passé? T'as voulu montrer à tout le monde que t'avais des soucis avec l'alcool? Bon, bah écoute, on a compris, on a vu le clash, on s'est dit on allait clasher un petit peu Conny, écoute, y a pas de soucis, la réponse elle est là, man. Alors, pour te dire, je me suis dit je vais aller quand même traquer un petit peu mon ennemi, j'ai été faire le tour, je me suis rendu chez toi, loin loin dans la campagne, et je me suis dit, comment mieux connaître quelqu'un que de faire ses poubelles? On connaît. Alors du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon. Jusque-là, pour un alcoolique, c'est normal. Puis après, j'ai fouillé un peu plus. J'ai dit, putain, quand même, le mec, une deuxième. Puis une troisième. Enfin bref, tes poubelles, man, c'est le truc de fou, quoi. C'est le poubelle d'un alcoolique, quoi, j'ai envie de te dire. Et puis là, tu vois, en fouillant bien au fond, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, il en reste une. Bon, une de plus. Pour un alcoolique, c'est pas grave, on est pas à 5-6 près, hein, de toute façon. Et puis là, je me suis dit quand même, bon, faudrait se venger un petit peu. Alors, j'ai un petit peu fouiné dans ta maison et j'ai essayé de trouver bah, ce que t'avais de plus cher. Alors, du coup, j'ai trouvé. Tu peux dire bonjour. Eh oui, je sais plus comment tu la prénommes, hein, mais je sais que tu la kiffes et que tu la surkiffes. Alors, je me suis dit qu'on allait lui faire un petit truc assez sympa quand même. C'est qu'on allait lui faire la peau. Hein, mon petit slide, regarde, ça c'est pour toi, ça. Et voilà, man. Elle est décédée maintenant, fini. Alors les clashs, on arrête, on a compris je pense maintenant, ou sinon on fait pire. Allez, tchuss!